Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer et puis les autres nous rejoindront petit à petit. Bienvenue dans le Corridor. Alors, c'est une soirée un peu spéciale pour nous, le collectif Corridor, parce qu'on a eu forcément, en lien avec la crise sanitaire, une interruption de nos activités pendant près d'un an. Et on est ravis ce soir de pouvoir inaugurer le projet Maladière Moderne, qui est un projet qui, à l'origine, aurait dû se dérouler il y a un an et qui, pour des raisons évidentes, a été repoussé. Et on est ravis de le faire avec Vanessa Pointet et Thibaut Pierron qui sont avec nous, que vous voyez à l'écran, de Sub Architects. Et dans le cadre de ce projet Maladière Moderne, dont je vais dire quelques mots. Donc le projet Maladière Moderne, c'est une collaboration entre nous, le collectif Corridor, donc collectif curatorial d'architecture à Lausanne, l'association Ville en Tête qui fait un travail de sensibilisation à l'environnement construit auprès du jeune public et de toute la population en général, et l'artiste Bruno Eberli. Et ça se déroule à l'édicule de la Maladière, qui est un édicule appartenant à la ville de Lausanne, donc au sud de Lausanne pour ceux qui ne connaissent pas, et qui fait partie d'un ensemble moderne assez particulier pour la ville, qui est ensemble réalisé pour l'Expo 64, et puis on voit assez bien tout d'un coup toutes les thématiques architecturales qui émergent à travers ce petit édicule dans un immense projet et qui révèle tout un pan, je dirais, de la culture architecturale moderne. Donc tout le projet est parti de cette collaboration à trois têtes, je dirais, et avec l'idée de savoir qu'est-ce que l'on peut, comment on peut et est-ce qu'on peut encore être moderne aujourd'hui et qu'est-ce que ça implique d'une certaine manière. Donc, ce projet, c'est un projet avec plusieurs, disons, plusieurs projets dans le projet. Il va se dérouler en trois actes depuis aujourd'hui jusqu'au 10 juillet. Nous, Collectif Corridor, on invite trois bureaux d'architectes, donc Sub, j'en ai déjà parlé des premiers, Pio Vene Fabi, et EMI, les Urequois, et de l'Art Mosseyeb Interbitin, comment dire, à développer un projet fantasmé de transformation de l'édicule et de le matérialiser à travers un fragment construit à l'échelle 1-1 dans l'édicule lui-même et de réaliser également un dessin qui synthétise, je dirais, le projet fantasmé de transformation au sein d'une scénographie que l'on a mis en place. Et le travail de chaque architecte fait écho au travail de Bruno Eberli, l'artiste, que vient de présenter ce soir au public, qui sera. Enfin, de nouvelles pièces seront ajoutées à chaque intervention des architectes. Alors voilà, avant de passer la parole à Vanessa et à Thibaut pour la conférence donc, inaugurale du cycle qu'on a intitulé Corners of Modernity au sein du projet Maladière Moderne. Je vais vous les présenter en deux mots. Donc, ils ont fondé le bureau Sub Architects en 2018, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un bureau très, très récent, très jeune, et disons qu'on apprécie beaucoup chez Corridor, à la fois parce qu'ils ont une pratique émergente et qu'on les connaît aussi un petit peu. Ils ont des liens avec Lausanne qui sont assez forts, et notamment avec les PFL en tant qu'enseignants ou doctorants. Et on est ravis de les avoir ce soir pour nous présenter leur projet qui s'intitule Moderne Grotto et plus largement leur pratique. Voilà, je fais juste une petite précision. Normalement, vos micros sont coupés. Si je vous demande de les laisser couper pendant la conférence. Et puis à la fin de la conférence, on laissera bien sûr la possibilité de poser des questions. Donc là, vous pourrez rallumer vos micros. Merci beaucoup et bonne conférence. Je vous laisse la parole. Oui. Alors, bonsoir à tous. On va partager l'écran, commencer la conférence. Normalement, ça devrait être tout bon. Bonsoir à tous. Merci Oscar pour l'introduction. Merci à toute l'équipe de Corridor pour l'invitation. Donc, on va vous présenter effectivement dans un premier temps la proposition qu'on a formulée donc, dans le cadre de Corners of Modernity, cette invitation à réfléchir à cette vision fantasmée un peu du pavillon de la Maladière. Et on parlera ensuite rapidement de notre pratique.
et du travail qu'on fait donc à SUB. La proposition qu'on a formulée s'appelle Moderne Grotto. On va commencer par une image. Donc c'est une fresque qui est pas loin de Naples. C'est Bosco Reale, c'est une ville romaine, donc un peu avant, enfin au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est une fresque donc, qui se trouve dans la chambre de Sinistor. Et pour nous, c'est un petit peu une pure vision de ce que pourrait être le pittoresque en architecture, dans une compréhension non stylistique du terme. Donc, quand on dit compréhension non stylistique, ce qu'on cherche à dire, c'est le pittoresque comme mode d'articulation de l'architecture et de l'environnement. Et d'une certaine façon, une manière environnementale de composer l'architecture. Donc, pour nous, ça fonctionne à plusieurs niveaux et ça fonctionne à plusieurs niveaux dans cette image. Donc, dans notre exemple, on a comme ça l'imbrication de motifs architecturaux très classiques qui sont en lien avec le paysage. C'est une mise en scène typique, on va dire, des fresques antiques et qu'on retrouve dans la peinture de paysage en général. On a la colonne, le pilastre qui encadre la vue. On a la pergola en haut de la vue, accompagnée d'une balustrade. On a la fontaine qui se trouve un peu insérée comme ça dans une grotte. Et donc, on a les éléments architecturaux qui sont disposés dans l'espace et en lien avec une nature, mais qui est plutôt une vision fantasmée et reconstruite de la nature, à la fois onirique et un petit peu inquiétante, avec cette grotte en sous-sol. Et donc, cette fresque, elle se trouve dans une pièce qui est très simple, mais dont toute la surface est habillée de peinture. Donc, la surface des murs est d'abord habillée d'éléments architecturaux qui rythment l'espace, et donc ça vient construire des vues qui sont comme des fenêtres sur un paysage imaginaire. Et donc là, en l'occurrence, on a plutôt des scènes de ville, des scènes urbaines qui sont décrites donc, sur les murs latéraux, et on a comme ça cette vue sur un paysage imaginaire qui se trouve comme ça au fond, à côté de la fenêtre de la pièce, la vraie fenêtre. Et donc, à partir de cette image, on a comme ça pour nous, à trois niveaux, le fonctionnement de cette notion de pittoresque. Qui fonctionne donc comme une façon de représenter le paysage, comme un type très spécifique de composition picturale, donc une manière de fabriquer des peintures, et en même temps, une manière de concevoir l'espace, une manière de concevoir l'espace à la fois dans la pièce, et en même temps comme projection d'un espace imaginaire. Et donc ce petit morceau de fresque romaine, pour nous, c'est comme un condensé d'une manière d'articuler l'architecture à ce qui l'entoure, donc l'architecture à son environnement. Et donc, ça c'est un exemple de peinture qui met en scène une grotte au 1er siècle avant Jésus-Christ, et puis on va vous faire défiler maintenant une série de très belles grottes italiennes, toujours, mais plus tard, plutôt de la Renaissance, donc au 15e et au 16e siècle principalement. Et l'idée de les faire défiler, c'est aussi pour faire une sorte de quasi-plaidoyer pour une historiographie parallèle de l'architecture, une histoire de l'architecture des grottes et donc ces autres types d'ouvrages de paysages. Alors, on s'est très, très peu avancé nous-mêmes sur la question, mais ce qui nous intéresse dans l'idée comme ça de vous présenter un certain nombre de grottes, c'est de savoir ce qui se passe quand on les ramène à l'intérieur du canon architectural. Donc, comment ces petits édifices, qui sont souvent laissés à la marge, on va dire, des études de l'histoire de l'architecture, qu'est-ce qui se passe quand on les ramène dans le champ des études, un peu du canon comme ça architectural, pour notre discipline? Et donc, on a l'impression que d'emblée, il y a un peu deux questions très générales qui se posent. Dans tous ces petits édifices, il y a une dimension ludique, une dimension de plaisir et d'agrément. Et donc, ce sont des petites constructions qui n'ont pas vraiment de fonction. Ils sont en même temps très fragiles. Ils sont aussi très coûteux, très coûteux à fabriquer déjà à l'époque, et puis ils sont très coûteux à maintenir dans le temps parce qu'ils sont assez sophistiqués, ils sont soumis aux intempéries, ils sont fragiles. Et pourtant, ils ont traversé les époques et on en a encore le témoignage aujourd'hui puisqu'on peut en visiter plusieurs. Et donc, immédiatement, ça pose la question de l'usage et de l'utilité. Et pour aller vite, on va dire que dans notre horizon infusé par le matérialisme, une architecture sans utilité, ça passe assez mal. Et
Et donc le deuxième aspect, on a cette première dimension ludique, et le deuxième aspect, c'est la dimension climatique. Une grotte, c'est sombre, c'est froid et c'est humide. Donc clairement, c'est plutôt des conditions impropres à la demeure, au logis. Et à nouveau, se pose la question, qu'est-ce que ça dit de l'architecture quand elle cherche volontairement à produire des lieux qui ne sont pas habitables? Donc pour résumer ça, on pourrait dire que les grottes architecturales, qui sont donc vraiment consciemment fabriquées comme telles, elles sont à la fois hédonistes et insalubres. Et ça met un petit peu en crise vraiment l'idée qu'on se fait de manière un peu générale de qu'est-ce que ça doit être l'architecture ou qu'est-ce que ça doit faire, qu'est-ce que ça doit produire. Et donc pour nous, ça renvoie à une dichotomie qu'on utilise assez souvent entre construction et architecture. Disons que l'idée, c'est qu'une construction qui servirait d'abord à abriter et à garantir comme ça des conditions conformes et confortables de vie, eh ben, ce n'est pas tout à fait suffisant en fait, pour qualifier ce que serait véritablement l'architecture, puisqu'en réalité, si ça, on le fait rentrer volontairement dans le canon architectural, on se rend compte que cette définition ne marche plus. Et plus largement encore, pour nous, ce qui nous intéresse en tout cas, c'est d'imaginer la façon dont l'architecture, parfois, et ce parfois est suffisant, participe à la recherche du plaisir de l'esprit et du plaisir des sens, puisque la seule utilité de ce type de construction, ça semble être ça. Et donc, quand on cherche comme ça à ramener ces édicules très modestes de l'histoire de l'architecture, à les ramener en fait à l'intérieur du champ des études et comme faisant partie comme ça des objets de valeur sur lesquels on peut se pencher, ça joue sur plusieurs niveaux et ça répond à plusieurs enjeux. Ils n'ont pas tous le même intérêt pour nous, mais on va quand même vous les détailler. C'est déjà une invitation à se réapproprier l'histoire des jardins par le versant de l'architecture. Donc on a l'histoire des jardins et l'histoire du paysage, on a l'histoire de l'architecture, et ce sont souvent un peu deux couloirs qui se font face, qui ne dialoguent pas beaucoup. Et en réalité, l'ensemble des grottes qu'on vous montre ici, elles font partie d'un ensemble paysager assez complexe qui s'accompagne de villas ou de palais. Et en fait, c'est un tout, et l'un ne va pas sans l'autre, et l'ensemble a été pensé, pas forcément par le même architecte, mais en tout cas à l'intérieur d'une séquence qui était prévue comme ça. Et donc les objets ne sont pas séparés les uns des autres. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est un peu plus anecdotique, mais on aime quand même bien ça, c'est ramener des constructions mineures d'architectes malgré tout majeurs dans le champ de l'histoire de notre discipline, avec cette idée qu'en fait, parfois, les plus petites de leurs constructions peuvent avoir comme ça en leur sein, des idées qui s'expriment peut-être de manière beaucoup plus claire que dans des projets beaucoup plus gros et beaucoup plus complexes, qui font face, voilà, à des contraintes qui sont très différentes, et que, voilà, quelquefois, des objets si petits arrivent à exprimer les idées d'une façon, leurs idées, en tout cas de ce que c'est l'architecture, de manière beaucoup plus explicite et immédiate. Ensuite, alors ça, on aime beaucoup, c'est une manière très sérieuse de traiter de la part vraiment légère. On va dire du canon assez assommant que tous les architectes ont et se trimballent un peu. Mais donc cette idée comme ça d'une part plus légère de l'architecture, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement frivole. On a vu qu'il y avait une dimension de plaisir et d'agrément vraiment dans l'objectif de fabriquer ces édicules, mais c'est aussi un petit peu plus que ça. Notre idée, en tout cas, c'est que à partir de ces édicules paysagers fabriqués par des architectes, on peut remonter à une compréhension plus générale de l'articulation entre architecture et environnement. Et donc, l'idée, c'est de détecter dans ces petites grottes des trucs, vraiment des trucs, quoi, des trucs d'architecte, donc des méthodes de composition, d'assemblage, d'arrangement de l'architecture avec le paysage et avec l'environnement plus général. Et alors, à nouveau, donc, l'idée, c'est de pouvoir, à partir de ces tout petits objets, faire remonter ces méthodes. Et voir finalement si on ne les détecte pas dans les bâtiments beaucoup plus gros qui sont souvent juste à côté de ces édicules. Et donc, finalement, de vous parler des grottes, ce n'est pas les grottes pour elles-mêmes nécessairement, on les aime beaucoup, mais c'est aussi les grottes comme miniature d'un ensemble de thèmes environnementaux pour la plupart ou paysagers qui pourraient être plus largement exploitables ou même qui auraient pu être déjà plus largement exploités. Et donc, c'est aussi les grottes comme porte d'entrée
à une relecture vraiment paysagère et environnementale d'édifices canoniques. Et vous remarquerez que les exemples qu'on a choisis de grottes, elles sont toutes à proximité de mastodontes de l'histoire de l'architecture. Le Palazzo Te, la Villa Madama, la Villa Giulia, j'ai oublié le dernier, mais vraiment des éléments comme ça, on va dire massifs, et finalement dont la part paysagère est véritablement importante et s'exprime entre autres par cette dimension, on va dire, de petits édicules dans les parcs. Et donc pour nous, en fait, s'il fallait réactiver l'analyse et la compréhension de ces villas et palais, en l'occurrence, puisque là on parle de ces villas et ces palais du 15e et du 16e siècle, si on devait réactiver leur analyse et leur compréhension, pour nous, il s'agirait plutôt de se poser la question donc de cette part environnementale de ces projets, c'est-à-dire de plus les regarder nécessairement déliés de leur parc, déliés de leur territoire, mais véritablement en lien avec l'ensemble du projet paysager dans lequel ils s'inséraient. Et donc, à nouveau, c'est pour ça qu'on a choisi de vous montrer les grottes les plus exquises, des villas et palais les plus canoniques du 15e et du 16e siècle en Italie. Et donc maintenant, après cette longue introduction sur les grottes, on va vous parler donc de la proposition qu'on a formulée pour l'exposition Corners of Modernity. Et donc, on peut commencer peut-être par cette image, en fait, pour bien saisir le contexte et la date de cet édicule. Donc, le pavillon de la Maladière, je ne sais pas si on voit la souris à l'écran, mais c'est donc ce petit disque qui est ici. Et donc, ça, c'est une photo qui a été prise en 1964. Et donc, c'était le site de l'exposition nationale suisse qui était à Lausanne. Et alors là, à nouveau, on aime bien les expositions internationales, ou en l'occurrence là, les expositions nationales, parce que c'est assez révélateur de la part ludique de l'architecture. Et là, en l'occurrence, de l'architecture moderne. Alors, on peut quand même dire que pour les expositions nationales suisses, il a parfois un peu manqué de cette dimension universelle qu'on retrouve donc dans les grandes festivités architecturales qui commencent au milieu du 19e siècle. En 64, on est donc 3 ans avant l'expo 1967 à Montréal, qui a, on va dire, un retentissement un tout petit peu plus large que l'expo 64, mais il faut être assez juste. Toutes les expositions suisses sont un marqueur assez important à chaque fois dans l'histoire de ces festivités, et pour être encore plus juste avec l'exposition de 64, en réalité, donc, le monorail, je ne sais pas si on le voit sur cette image, mais donc, il y avait un petit monorail qui passait au-dessus du lac Léman. Il a été démonté à la fin de l'exposition et puis en fait transporté à Montréal pour devenir une partie du mini-rail sur l'île Sainte-Hélène 3 ans plus tard, donc pour l'expo 67. Donc, même là, il y avait un jeu comme ça de correspondance entre une exposition un petit peu nationale, puisque les expositions nationales suisses sont toujours pour célébrer un peu leur pays, et l'échelle un petit peu plus large des expositions universelles donc jalonnaient comme ça la fin du 19e et puis le 20e siècle. Mais donc, à nouveau, Expo 64 rappelle vraiment cette dimension festive et événementielle de l'architecture moderne. Et ça, c'est une dimension qu'on a en fait parfois tendance un peu à oublier quand on parle d'architecture moderne. Et donc, je dirais, surtout en ce moment, cette image, elle est aussi la traduction et le témoignage d'un moment encore très, très optimiste, avec une foi assez peu canalisée pour le progrès et la science, et qui s'expose d'une façon très extravertie, surtout pour la Suisse, et donc sur les rives du lac Léman. Donc ça, c'est le contexte vraiment de cet édicule qui se trouve ici, et qui est un vestige de cette époque, comme l'est le dôme en béton donc, qui est ici, et puis le théâtre de Vidi, donc je ne crois pas qu'on le voit sur l'image, mais il est un petit peu plus loin, et donc ça, c'est vraiment le bâtiment principal qui en est resté. Et donc, c'est à nouveau. Aujourd'hui, l'endroit s'est vraiment vidé. Il n'y a pratiquement plus aucune trace. Et c'est vraiment un lieu qui a vieilli très très vite et dont les éléments qui sont restés ont eux-mêmes vieilli très très vite. Donc, c'est peut-être pas une ruine à l'envers comme chez Robert Smithson, mais c'est peut-être une ruine accélérée. Et le pavillon est très élégant, la modernité qu'il présente a comme ça quelque chose d'assez gracieux, mais elle est aussi pas mal altérée par le nouvel environnement qui est
resté très infrastructurel, mais qui s'est fortement dépeuplé. Et en fait, aussi la distance qui sépare finalement le reste de cette exposition rend un petit peu ces objets esselés. Et donc, on pourrait dire que c'est une sorte de demi-ruine, parce qu'il n'a pas non plus perdu totalement son usage. Il est resté un arrêt de bus, mais en fait, s'il est resté un arrêt de bus, sa raison d'être s'est quand même inversée, parce qu'en 1964, il était le point d'entrée pour l'exposition, et aujourd'hui, en 2021, il est devenu un terminus. Et donc, l'analogie est un peu facile, mais d'une certaine façon, il est devenu aussi un peu le terminus d'une certaine idée de la modernité. Et en fait, pour dire comme on l'a vécu aussi en allant le visiter pour la première fois, c'est un peu ce sentiment de terminus, à la fois littéral et conceptuel, qui nous a conduit à imaginer comme ça la transformation de cet objet qui a déjà beaucoup vieilli en quelque chose d'encore plus archaïque. Et donc à imaginer ce qu'on a appelé cette sorte de grottification artificielle du pavillon. Et donc, pour l'exposition, cette sorte de grottification, elle se matérialise, elle se réalise à deux niveaux. On va dire il y a un niveau un petit peu matériel et il y a un niveau plus fantasmé. Donc ça faisait partie de la demande, de la commande quasiment. Donc c'est les fragments d'un côté et puis le dessin. Donc je vais d'abord parler des fragments. Les fragments, ce sont donc trois panneaux dont la géométrie en fait emprunte à la géométrie circulaire du pavillon et en même temps emprunte à la tradition du polyptyque. Donc ce sont comme ça des panneaux qui sont parfois articulés, parfois moins articulés et qui sont assemblés ensemble. Donc pour la proposition qu'on a formulée, les panneaux se tiennent debout, ils ont une face concave et ils ont une face convexe. La face convexe, donc c'est celle qu'on voit plutôt sur cette photo ici, c'est assez simplement et même assez pauvrement la réinterprétation d'un matériau du pavillon en peinture. Donc, à nouveau, c'est une version un petit peu appauvrie des peintures de décor et des panneaux fins, donc qui décorent d'habitude les intérieurs en imitant les matériaux. Et donc là, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de renouveler en l'occurrence, donc pour le bitume, pour le carrelage et pour l'acier, qui sont des matériaux utilisés pour le pavillon. Donc ça, c'était pour la face convexe. On voit ici l'autre côté. Et ensuite, pour la face concave, c'est en fait celle de la grotte imaginaire, finalement. Et donc, ces faces concaves sont venues se parer comme ça de coquillages dont les teintes vont se mêler aux matériaux supposés de départ. Et donc le coquillage, c'est la récupération directe d'un des matériaux assez curieux qui est très souvent utilisé dans l'architecture des grottes. Et en réalité, c'est un motif très ancien de l'architecture des jardins, parce qu'on peut dire que les premières grottes architecturales, donc vraiment à l'époque grecque ou romaine, c'était en premier lieu des espaces qui étaient dédiés aux nymphes et aux divinités aquatiques, donc d'où ce rapport à l'eau et au coquillage. Et en fait, ce qui nous a intéressé aussi vraiment avec cette dimension comme ça, c'est étonnante, mais du coquillage, c'était plutôt son ambiguïté, et donc son ambiguïté pour un traitement architectural, parce que c'est un élément organique, mais sa mise en œuvre peut qu'être artificielle. En fait, ça n'existe pas, des bâtiments faits en coquillage. Ça ne se trouve pas dans la nature, donc c'est une reconstruction. Et donc, sa mise en œuvre relève vraiment de l'artifice et de l'ornement. Et donc, la question de la naturalité de ces objets-là, elle se pose vraiment qu'en des termes d'apparence et même pratiquement de symbolisme pour les grottes, mais jamais en termes de véracité. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de questionner comme ça quand on pose des questions d'architecture. Qu'est-ce que ça veut dire donner l'apparence de quelque chose par opposition à le faire véritablement. Et donc, pour nous, cette question comme ça de l'ornement à partir d'un élément organique, mais qui se met en place de manière très artificielle, vient comme ça un petit peu mettre en tension cette question. Donc, c'est toujours un décor, et il est très construit. Il est plus ou moins élaboré dans certaines grottes, mais en l'occurrence, pour nous, il est simplement comme ça apposé sur les panneaux. Et donc, ce qui se passe, on va dire, dans l'architecture des grottes de manière comme ça un peu ancienne, on a essayé de le retranscrire d'une façon un petit peu plus contemporaine, mais analogue pour ces polyptiques, qui agissent donc comme un décor, mais de façon fragmentée. Donc, c'est un dispositif qui se déplace à l'intérieur du pavillon, donc il peut prendre plusieurs positions.
Et donc, en quelque sorte, c'est un décor qui se reconfigure lui-même, c'est-à-dire qu'il peut prendre plusieurs places. Il reconfigure partiellement le pavillon, puisqu'il va changer la perception qu'on a de l'espace qui reste du pavillon en fonction de la position des objets. Et en fait, il anticipe ou il augure de la reconfiguration totale du pavillon en grotte. Voilà. Voilà, on a un détail sur les panneaux. Et donc, de cet augure de la reconfiguration totale de la grotte, on a donc ce premier volet qui concerne les panneaux et qui sont donc cette mise en scène de la grottification matérielle du pavillon. Et ce qui est venu compléter donc cette première partie du projet, c'est un dessin du pavillon qui serait donc lui intégralement transformé en grotte. Et donc, si les panneaux sont comme ça, cette espèce d'hommage assez modeste à la grande technicité dans la manière de construire artificiellement la nature dans l'architecture de paysage, le dessin, lui, c'était plutôt pour nous, hein, dans la façon dont on a essayé de l'imaginer, une façon de réintroduire un jeu d'encodage du langage de l'architecture. Pour le dire vite, les architectes donc des grottes, notamment ceux qu'on vous a montrés, ils jouent en fait avec le langage de l'architecture classique. Ils jouent avec ses motifs, avec ses ordres, avec ses règles, avec les usages en fait qui sont en cours à l'époque où ils les fabriquent. Et on pourrait même dire, bon, ça c'est une digression, mais on pourrait dire que c'est peut-être même l'activité première des architectes que de moduler, altérer et pervertir le code de l'architecture de leur époque et pas de leur époque, c'est-à-dire de manière comme ça non stylistique et à plus large échelle temporelle. Et donc dans le registre spécifique des grottes, on va dire que les marges de manœuvre sont en fait beaucoup plus grandes pour jouer avec ce code. Et d'une certaine façon, comme il y a cette dimension ludique d'agrément et puis que c'est plutôt petit, on va dire la sentence des conventions de ce qui est acceptable pour un palais, pour une villa, pour voilà, aussi auprès d'un client, ben en fait finalement ces conventions, elles sont momentanément suspendues pour l'architecture du paysage. Et donc, ce qu'on a voulu faire avec ce dessin, c'est un peu tester la même chose, c'est-à-dire tester les possibilités de déplacement et de correspondance qu'on pouvait introduire dans le code de l'architecture moderne. Et donc là, c'est une sorte de déplacement temporel, en cherchant comme ça à transposer un peu ce même jeu d'encodage d'un langage à un autre, en basculant donc plutôt à l'architecture du siècle dernier. Et donc, finalement, cette recomposition en grotte du langage moderne du pavillon, c'est venu révéler quelque chose qu'on n'avait pas tout à fait prévu au départ et qui était une sorte d'étrange subsistance des éléments architecturaux. La pergola, la colonne, la balustrade et enfin la fontaine. Et en fait, c'est les mêmes éléments qui ont été réassemblés que ceux qu'on a vus dans la fresque de la villa de Bosco Reale. Et donc, pour nous, et véritablement, on s'en est un petit peu rendu compte comme ça à la fin du dessin, cette idée comme ça que les mêmes éléments pouvaient être réassemblés indépendamment de leur style dans une sorte de composition pittoresque, on a été tenté d'y voir la possibilité d'un encodage spécifique, mais donc qui n'est pas stylistique et qui serait capable de produire et reproduire des assemblages pittoresques à partir d'une poignée très réduite comme ça d'éléments de l'architecture. Voilà, et donc c'était la présentation de la proposition pour Maladière, et puis je vais passer l'ordinateur ici et passer surtout la parole à Vanessa, qui va vous parler un peu plus généralement du travail qu'on fait à ce sujet. Ouais, alors après un voyage nordi romantique guidé par Thibaut dans les grottes et le pavillon Maladière, les coquillages, etc., je vais terminer en partageant quelques réflexions qu'on a en cours dans nos projets et puis à SUB. Alors l'association Corridor, elle invite les architectes à parler de leurs obsessions, on a pu voir ça avant, pour découvrir un peu ce qui les anime. Et puis après avoir procédé quand même à un tri, on s'est dit que le mieux, c'était d'aborder trois thèmes qui reviennent un petit peu sans cesse dans notre travail et puis qui guident un peu nos attitudes vis-à-vis des projets. Ils fonctionnent comme des obsessions parce qu'en fait, ils sont récurrents et puis qui nous demandent aussi... on a un certain engagement de toujours les faire exister dans nos projets.
ou en tout cas le plus possible. Ces trois thèmes, le premier, c'est la spécificité de la pensée qui serait architecturale. Le deuxième, c'est le lien qui se fait entre architecture et environnement. Et pour finir, la récupération du réel à l'intérieur du projet d'architecture. Alors, ces thèmes que je vais vous présenter, mais de manière brève, je vous rassure, seront accompagnés de quelques images de nos projets en cours. Donc, le premier thème, comme je disais, c'est celui de la spécificité de la pensée architecturale. Ce n'est peut-être pas le plus évident à aborder, mais c'est pour parler de quel processus et quel mécanisme intellectuel sont à l'œuvre pour assembler les choses entre elles, pour créer un ensemble qui soit capable de produire et construire l'architecture. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on est capable de reconnaître quand l'architecture se produit, mais clairement, on a du mal à le définir. Donc, on a tendance à considérer que c'est une manière de réfléchir, et ça nous semble important de clarifier ce point-là, parce que ce n'est pas se limiter soit à l'acte de bâtir, de représenter ou de proposer des modes d'habiter. En gros, c'est choisir et assembler de manière architecturale et par la pensée des éléments entre eux. Donc, vous avez compris dans notre exemple de grotte et de coquillage que souvent, ça forme des constellations de liens à travers les époques et ça cherche à mettre en relation à chaque fois de manière spécifique des choses entre elles pour qu'elles puissent devenir les conditions du projet d'architecture, en tout cas des nouvelles conditions pour un projet d'architecture. De notre point de vue, il n'y a pas vraiment de composant qui va dominer un autre. En tout cas, ce n'est pas notre manière de travailler. Pour nous, l'architecture, c'est ce qui est spécifique, comme je disais avant, c'est plutôt une manière de penser qui essaie de faire tenir les éléments, des éléments distincts ensemble. Et cette manière de les faire tenir ensemble, ce n'est pas la même que dans d'autres disciplines. Alors, ça paraît peut-être un peu simple à dire, mais c'est important. Donc, finalement, s'il y a une autonomie de l'architecture, on peut dire qu'elle existe au niveau de la pensée et pas des objets. Donc, ça, c'est vraiment un thème qui nous est cher. Le deuxième qui transparaît un petit peu dans le projet qu'on a proposé qui s'appelle Moderne Grotto, c'est la relation entre architecture et, enfin, entre l'architecture et son environnement. Donc là, c'est plutôt une contribution qui est de l'ordre culturel. Et notre point de départ, c'est toujours d'aller puiser dans l'histoire de l'architecture, comme Thibaut nous l'a bien détaillé avant, parce que c'est ce que font les architectes, et tout ça pour rentrer en résonance avec son environnement. Donc, pour le moment, on regroupe tout ce thème sous l'architecture de la climatisation du monde. On ne sait pas vraiment encore finalement ce que ça veut dire, mais ce qu'on est sûr, en tout cas, c'est que ça permet pour nous, dans les projets, dans ce qu'on expérimente, etc., de pouvoir parler, nous intéresser à deux thèmes qui sont importants. D'une part, l'architecture climatique, de l'autre, l'architecture paysage. Donc, l'architecture climatique, c'est l'architecture de l'environnement bien tempéré, une architecture qui est capable de créer un climat artificiel et pas uniquement juste une structure. Donc, offrir les possibilités d'habiter dans son environnement et d'y être en relation. Et puis, l'architecture paysage, c'est une architecture qui est à la mesure du territoire, mais qui n'est pas liée à la dimension de l'architecture, mais plutôt à sa capacité de rentrer en résonance avec son environnement. Donc, ça peut aussi prendre forme dans des tout petits objets architecturaux. Le dernier thème, la récupération du réel à l'intérieur du projet d'architecture, c'est un peu pompeux, mais bon, c'est-à-dire pour nous une attention particulière à ce qui est là, donc le lieu, le paysage, le bâti, les structures sociales, culturelles, etc. Et prendre cet ensemble qui constitue donc ce qu'on appelle l'existant en premier pour ce qu'il est. Donc parfois, cet existant, il peut être assez banal en apparence, mais finalement, chaque élément de cet existant, en tout cas du paysage urbain, peut devenir le catalyseur du projet d'architecture.
Donc, la rationalisation de cet existant, c'est repérer, exploiter pour le projet des fragments hérités et trouver du lieu. En tout cas, nous, on en est convaincus. Ce qui est important, c'est vraiment la disposition du regard par rapport à cet existant, la capacité de suspendre son jugement par rapport à ce qui est là. Ça ne va pas annuler forcément, évidemment, surtout la dimension critique, mais en tout cas, ça rend possible de pouvoir regarder ce qui est là sans a priori. Donc, c'est au-delà du faire avec, c'est vraiment se rendre disponible, engager une démarche qui permet sans nostalgie ou sans a priori de se saisir de l'existant. Pour nous, c'est vraiment la condition un peu fondamentale pour inscrire le projet de manière durable et sensible à son environnement. Voilà, donc trois thèmes. C'était un petit peu pour faire un overview de ce qui nous intéresse dans notre pratique. Pour les projets, on peut revenir rapidement sur certains projets si vous voulez. Peut-être un mot sur le plus petit de nos objets, celui-ci, la cuisine et la sphère. C'est vraiment modeste, c'est un projet à Paris, petit. Mais là, pour nous, c'était vraiment l'équilibre un peu précaire entre des éléments. Et c'est l'association entre ces éléments-là dans la cuisine qui ont transformé complètement, enfin, en tout cas, on pense, l'objet cuisine. Donc, voilà. Donc, ce petit projet qui change un petit peu la perception de l'idée de la cuisine. Ensuite, donc c'est une maison à Besançon. Donc c'est d'abord une maison qui a été pensée comme un dispositif qui cadre le regard parce que cette maison elle est installée sur une colline à Besançon. Elle fait face à un grand. Il y a aussi comment ça s'appelle en face presque un canyon. C'est presque un canyon. Donc on est un peu presque dans une implantation Californie du Sud avec un paysage qui rentre un peu de toutes parts dans la maison. Les pilotis ils sont là pour nous permettre de gérer le rapport au terrain en préservant la topographie parce que ce qu'on voit ou pas dans cette image, mais il y a une pente très importante. Donc c'est vraiment un peu la question de l'impact. Qui est presque inversé, donc c'est-à-dire on s'accroche à la colline en préservant le terrain, mais on assume un impact dans le paysage, voilà, un peu presque un peu rude, hein, parce qu'il faut dire que même si dans cette représentation le dessin peut être coloré et poétique, la maison s'insère franchement dans le paysage. Le dernier projet, pour dire deux mots, mais il est à la fin, je crois. Ici. Donc ça, c'était un concours qu'on a fait à Berlin. Ici, c'est bon, bah là, la disposition du regard, en tout cas, elle c'était l'exercice, hein, parce qu'on arrive dans un paysage existant qui était composé d'un ensemble de bars des années 60, c'est ça, ouais, une tour et vraiment un paysage un peu délaissé, sans vraiment de qualité évidente. Donc il fallait la trouver, la créer. Donc on s'est appuyé sur le potentiel d'un tout, enfin en tout cas des arbres existants qui étaient arrivés à maturité, qui étaient vraiment un peu majestueux, difficile un peu de les voir presque tellement ils étaient laissés tout seuls, et un fossé de déversement bien trash, bien brutal, qui menait jusqu'à un bassin de rétention. Donc on s'est accroché sur ces deux éléments, le fossé et les arbres existants, pour recréer un paysage et un vrai parc autour du centre paroissial. Voilà, donc on ne va pas faire plus long sur nos projets et notre pratique. On a montré ici, on a choisi de plutôt montrer des images de nos projets aussi pour notre propre plaisir, il faut l'avouer. Voilà, donc si vous êtes intéressé, on est à disposition pour des questions sur le projet. Ah, merci. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que si vous en avez, vous devez juste désactiver votre micro et puis on vous entendra directement.
Sinon, je peux commencer. Moi, j'en ai une. Je me répète, mais merci beaucoup. J'ai une question, parce que j'aime beaucoup cette idée qu'en tant qu'architecte, d'une certaine façon, on cherche dans tous les projets à constituer notre propre grotte au sein du projet, où tout d'un coup, on peut sortir des contraintes, sortir des canons, sortir des règles qui nous sont imposées, etc. Et puis, on les cherche de partout. On voit d'ailleurs dans vos projets certains éléments, typiquement la boule de la cuisine, je trouve que c'est exactement votre petite grotte à l'échelle de la cuisine. Et en même temps, c'est très intéressant, ces grottes qui sont extrêmement chargées, très très lourdes, de sens, de matière, d'éléments, etc. Et de voir le contraste avec vos projets qui sont formellement et architecturalement, plastiquement très simples, et en fait l'effort même graphique, il est porté sur le paysage. On voit le collage de la maison des sept collines, là, rempli d'arbres très différents, avec un volume extrêmement simple. Et du coup, j'ai une question peut-être trop générale, donc faut vraiment la prendre comme vous le sentez, mais... ce rapport à l'ornementation et à la simplicité formelle de l'architecture qui est aussi issue d'une tradition plus récente, je dirais, et d'avoir vu les panneaux remplis de coquillages, est-ce que c'est tout d'un coup quelque chose que vous n'aviez jamais pu expérimenter, c'est le déversoir, quoi, ou est-ce que c'est un fantasme que vous cherchez de partout, ou c'est juste arrivé comme ça parce que la grotte l'appelle? On s'est clairement lâché, ça c'est sur les petits bouts du monde. Non, ouais, je pense que c'était plutôt. Je pense pas qu'on ait cette dimension ultra ornementale à l'intérieur de notre travail véritablement. Et là, c'était plutôt le cadre d'une installation. En fait, on peut dire qu'on y a réfléchi comme des architectes, mais ça reste profondément une installation. Donc, c'est sûr que ça autorisait, d'un point de vue plastique en tout cas, des choses que probablement on aurait moins envie de faire pour des intérieurs, ouais. Ah bah intérieur, ouais, mais alors si on peut construire une grotte. Oui. Why not, quoi. C'est clair. Est-ce qu'il y a des questions? Salut. Vous m'entendez? Merci pour votre présentation, c'était passionnant. Moi, j'ai une question un petit peu, c'est pas une question, c'est un intérêt aussi que je vois dans votre travail où vous parlez souvent d'assemblage sur ce qu'est l'architecture, sur cette idée que finalement l'architecture, c'est pas la production d'une matière continue et complètement fusionnée. Je pense toujours à cette citation de Olgiati qui dit « architecture has one idea », et je me suis toujours dit que c'était super triste d'avoir une seule idée dans un bâtiment, et j'ai l'impression que vous, en insistant sur l'assemblage, sur finalement l'idée que ce n'est pas tant les objets en eux-mêmes, mais plutôt la manière dont on les assemble, que c'était une sorte de figure récurrente dans ce que vous nous avez montré, et que finalement l'intelligence aussi dans des tout petits projets extrêmement contraints en termes de budget, c'est peut-être là que vous trouvez un peu d'échappatoire, et je crois que c'est des choses qui nous concernent tous, mais j'ai eu le sentiment que c'était quelque chose d'un peu récurrent dans votre discours. Oui. Je ne sais pas si c'est par, comme tu le dis, par nécessité ou bien si c'est... je ne sais pas ce qui vient en premier, c'est-à-dire est-ce qu'on souhaite véritablement faire ça ou est-ce qu'on est dans une position où il faut trouver l'attitude qui convient pour... avec ce qui nous est donné à faire. Mais en tout cas, la dimension fragmentaire, en tout cas, même d'un point de vue plus en termes de pratique, de ce qui nous est demandé de faire, c'est ce qu'on rencontre. Et aussi, c'est peut-être ça, on va dire peut-être un marqueur des années à venir, en termes de la production architecturale, c'est-à-dire que peut-être la demande d'une seule idée, elle sera aussi difficile à tenir parce que le stock de bâtiments est là et la volonté d'en faire de nouveau, elle est moins présente à tous les niveaux. Donc peut-être, c'est aussi de notre part une manière de regarder comment ça a pu se faire à différents moments dans l'architecture. C'est pensé par l'assemblage d'éléments disparates. Et comment l'architecture réussit à les faire tenir ensemble. Je crois que c'est aussi, en fait, c'est comment on peut aussi reconquérir cette idée de la totalité sans être sur l'univocité d'une, enfin voilà, une idée univoque, quoi. La difficulté. Non, c'est clair. C'est vrai que
je sais pas si on, enfin, ouais, je sais pas s'il y a une part de vraiment de conscient à partir du moment où on commence un projet, mais c'est vrai que on se limite pas vraiment à ce moment-là dans le ce qu'on assemble en fait, ce qu'on va choisir pour assembler. Alors on parlait tout à l'heure de l'existant, d'arriver à se mettre dans la disposition un petit peu, de faire du suspendre son jugement pour commencer un petit peu avec ce qui est là, mais je crois que ça va au-delà de ça, quoi. C'est vrai que où est-ce qu'on emprunte, à qui on emprunte. Alors il y a des limites qui sont partagées par Thibaut et moi, mais ouais, je crois que ça tient à ça, ouais. Merci. Moi j'ai peut-être aussi une question de l'autre côté du rideau. Une des composantes un peu de Maladière moderne, ça a été aussi de juxtaposer votre travail avec celui de l'artiste Bruno Eberli. Donc pour les gens qui ne sont pas venus, donc Bruno Eberli est un artiste lausannois qui a répondu communément avec nous sur l'occupation de cet édicule. On voit là dans les reprographies effectivement son travail. Ça a été toujours pour nous, du côté Corridor, une inconnue, hein, de savoir comment aller vivre à la fois l'installation des architectes, dont on ne savait pas trop un peu quel allait être le fin mot de l'histoire, avec aussi le travail de Bruno, dont on savait aussi peu de choses, hein, si ce n'est des intentions aussi, beaucoup. Donc, aujourd'hui, à chaud, comment vous percevez cette juxtaposition? Est-ce que ça vous évoque rien du tout? Est-ce qu'il y a des choses qui émanent? Enfin voilà, un peu votre réaction à chaud là-dessus. C'est une surprise, c'est une belle surprise finalement. C'est on dit que c'est pas il y a un rapprochement clairement formel entre les deux propositions, ce qu'on peut voir ici dans la forme ici de la proposition de Bruno. Je trouve que les deux vont assez bien ensemble. Et ils se répondent en fait, ils n'ont rien à voir. Ni en termes, c'est vraiment c'est formel, mais il n'y a pas de matérialité, ils ne disent pas la même chose, ils ne partent pas du même endroit. On pourrait presque croire à un esprit Maladière, voilà, un peu un espèce de rêve fantastique qui met tout ça ensemble, non? Oui, non, c'est effectivement un heureux hasard qui peut se produire comme ça parfois, mais c'est vrai que, ouais, en termes de teinte, en termes de forme, en termes d'expressivité, il y a véritablement un lien qu'on a découvert en voyant les panneaux avec l'œuvre. Et même, voilà, si on tisse le lien, je le lis un petit peu comme des espèces de piscines en résine miniature. Et du coup, presque cette dimension aquatique, voilà, je ne sais pas s'il y a des nymphes qui passent sous, enfin voilà, s'il y a une grotte souterraine sous Maladière, mais ouais, enfin c'est là, quoi. Donc, je sais pas si c'est des piscines. Hein. On lui demandera. Je sais pas si. Mais. Ouais. Désolé, on a des petits problèmes de son parce qu'on a deux ordinateurs côte à côte. Mais est-ce qu'il y a encore des questions? J'ai peut-être encore une autre question concernant le choix que vous avez fait de ce qu'on a appelé des paravents. Pourquoi alors, vous avez évoqué les retables. Quelle histoire il y a là-dessous et en quoi ça vient parler spécifiquement de votre projet? Est-ce qu'il y a une explication derrière tout cela? J'éteins mon micro.
L'explication, elle vient un peu de vous, en fait, aussi, parce que quand on a vu la proposition de scénographie que vous aviez faite, et puis donc qui a été réalisée avec les miroirs et avec la partie mobile, on a trouvé ça très bien. Et en fait, on a cherché un petit peu dans cette direction d'éléments assez mobiles, et puis donc vous aviez cette contrainte aussi de pouvoir les déplacer. Et alors, ce qu'on aimait bien, donc c'est un peu, voilà, on explique dans le petit texte, mais quand on fait ce lien un petit peu à toute vitesse en TGV entre les retables et ces panneaux de Alan Kaprov, donc qui sont des panneaux réarrangeables, donc qui peuvent avoir plusieurs positions dans l'espace, ce qu'on aime bien, c'est l'idée que c'est, en fait, dans les deux cas, ça c'est un peu à l'intersection entre si je prends l'exemple des retables, c'est vraiment à l'intersection entre la peinture, entre le mobilier, entre l'ébénisterie et entre l'architecture. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension spatiale, il y a une dimension comme ça de pouvoir inscrire une narration à travers les peintures sur des panneaux qui s'ouvrent et qui se déplient et qui se déploient, etc. Ce côté biface et comme ça un peu, voilà, articulé. Donc ça, on trouvait ça intéressant. Et voilà, comme une sorte de chose à l'intersection entre plusieurs disciplines. Et voilà, cette espèce de TGV après jusqu'à Alan Kaprov, c'est vraiment cette idée de quelque chose qui est à la frontière, c'est-à-dire l'installation, mais qui garde une dimension spatiale très forte, quoi. Donc, il n'est pas strictement... Enfin, voilà, de notre point de vue, c'est difficile d'appeler ça une sculpture. On aurait du mal à se positionner comme ça vis-à-vis de cet objet. Et donc, c'était pour nous une manière de mettre la question de la sculpture à distance et puis de dire, c'est des panneaux. Voilà. Mais on n'a pas le doré des retables, mais on a les coquillages et l'aspect précieux. Voilà, mais c'est vrai que ça tendait plus au dispositif spatial et mobile. Parfait, je crois qu'on va arrêter là. Encore une fois, je crois au nom de tout Corridor et même de tous les membres de Maladies Modernes, un grand merci pour la conférence de ce soir.